Je trouve que notre placement dans la journée d'études correspond bien effectivement au rôle du CMM, donc avant l'ICOM, et puis on aura le plaisir d'entendre donc la direction régionale des affaires culturelles et donc la position de l'État sur cette question-là. Le CMM est bien à l'heure actuelle un acteur qui est au carrefour de la chaîne du livre sur les questions numériques. Quel sera l'avenir de cet acteur-là? Je l'évoquerai en fin de mon intervention, puis je pense que Henri évoquera aussi les engagements de la ministre évoqués lors du dernier congrès de l'ABF. Mais à l'heure actuelle, et depuis déjà quelques années, le CNL est effectivement au carrefour du numérique. Alors, en deux mots peut-être, parce qu'on a assez souvent, je trouve, une idée pas tout à fait juste de ce qu'est le CNL, de ses missions et puis de ses ressources et de ses moyens d'intervention. Je vais simplement rappeler en quelques mots ce qu'est le CNL. Le CNL est un établissement public qui est donc sous la tutelle du ministère de la Culture, plus particulièrement de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et de son service Livre et Lecture. C'est un établissement public qui a été créé donc en 1946 et dont les missions ont régulièrement évolué pour intégrer depuis déjà quelques années, en tout cas depuis fortement depuis 1993, l'ensemble de la chaîne du livre, donc de la création à la diffusion. Alors c'est un établissement public qui est aussi assez atypique dans l'univers du ministère de la Culture et encore plus atypique à l'heure actuelle, puisque c'est l'un des rares établissements publics qui a des ressources qui lui sont affectées, donc qui proviennent de taxes, une taxe donc sur le chiffre d'affaires des maisons d'édition, et une taxe sur les appareils de reprographie, une taxe que vous avez connue, vous bibliothécaires, qui était la fameuse taxe sur les photocopieurs, qu'on a réformée en 2006, on a en fait baissé le taux et élargi l'assiette. Et donc le CNL a des ressources propres qui ne proviennent pas donc, de subventions du ministère de la Culture, fonctionne sans subvention du ministère de la Culture, avec donc un volet d'intervention et de ressources qui sont à peu près de 40 millions d'euros. Et ses missions, c'est donc de redistribuer sur la totalité de la chaîne du livre à peu près 38 millions d'euros. Donc, atypique à l'heure actuelle parce qu'effectivement, dans des situations un peu de crise et de tension budgétaire, le CNL donc, vit sur cette taxe-là qui est effectivement quand même assujettie à l'activité économique, mais qui, grosso modo, lui permet d'intervenir sans qu'interviennent au cours d'année des gels ou des réductions de crédit. C'est d'ailleurs un des points qu'on va évoquer à la fin de cette présentation. Sur les 38 millions d'euros donc, que le CNL dispose pour intervenir, il en affecte à peu près une dizaine sur le numérique, et ce depuis 2007. Voilà. Alors, l'intervention sur le numérique, elle passe, comme pour les autres interventions du CNL, par l'intermédiaire donc, de dispositifs de droit commun, hein, qui sont définis et votés au conseil d'administration du Centre national du livre, mais aussi, on le verra, pour le numérique, de dispositifs un peu innovants, puisqu'on a considéré à un moment donné que un certain nombre de dévolutions, que ce soit au niveau de la création et de la diffusion, n'étaient pas à ce stade stabilisées et qu'il fallait accompagner l'émergence de projets ou de formes tout à fait innovants. Et qu'en accompagnant, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en accompagnant un peu des expérimentations, on pouvait peut-être d'ici quelques temps se mettre dans une phase d'évaluation et de modélisation. Alors,
L'idée, en 2007, quand on est intervenu de manière donc forte au niveau du numérique, suite donc à la réforme des ressources du CNL, mobiliser une dizaine de millions d'euros, c'était d'aider la chaîne de valeur traditionnelle du livre dans sa mutation vers le numérique. Essentiellement, hein, puisque c'est un peu le cœur de l'action du CNL, accompagner la mutation des éditeurs dans cette évolution numérique. C'était aussi créer une offre numérique représentative qui aiderait au développement d'un marché. On était toujours dans ce traumatisme de la musique, hein, et de la perte de valeur qu'il y avait eu à ce moment-là, donc accompagner et aider les éditeurs à numériser leur fonds de manière à ce qu'une offre légale soit disponible. Et puis ça a été aussi de développer l'accès au patrimoine imprimé numérique via Gallica et Europeana. Donc, grosso modo, dès la fin de 2007, sur cette dizaine de millions d'euros, il a été, et ça pour le coup c'était une volonté au sein du CNL, d'accompagner la Bibliothèque nationale de France sur le patrimoine imprimé, et on y consacre à peu près 6 millions d'euros par an depuis 2007, développer les marchés de numérisation de la Bibliothèque nationale, le fameux marché des 100 000, ainsi que des marchés qui concernaient plutôt des départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France, mais pas uniquement. Ça a été aussi tous les développements de Gallica, l'ergonomie de Gallica, la version disponible de Gallica sur iPad. Elle a été soutenue et accompagnée fortement par le CNL. Donc, nouveauté au niveau du CNL, c'est cette prise en compte de l'accompagnement des efforts de la Bibliothèque nationale de France sur le patrimoine imprimé. Mais on a quand même centré nos efforts sur ce qui concernait donc l'éditeur et l'offre numérique, avec cette volonté aussi d'accompagner cette valeur traditionnelle et de respecter la valeur de la chaîne du livre. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs à partir donc de 2008. Deux dispositifs qui ont évolué dans le temps. Le premier, c'est donc l'aide à la numérisation rétrospective et à la diffusion numérique de documents sous droit. Le second, l'aide pour les plateformes innovantes de diffusion et de valorisation du catalogue de livres numériques. Ce sont les deux axes, les deux dispositifs forts du CNL. Mais à côté, comme je l'ai déjà évoqué, on a toute la partie qui concerne le patrimoine imprimé. Et puis, une longue tradition au niveau du CNL sur l'accompagnement des revues, avec l'accompagnement de la numérisation des revues, mais au-delà, tout un travail qui a été mené avec Caninfo sur la numérisation des revues en sciences humaines, le référencement des revues en sciences humaines dans le cadre des grands portails, avec tout un travail sur les métadonnées, mais aussi tout ce qui concernait en fait la traduction de ces revues-là. Il faut savoir que, par exemple, c'est un poste relativement important au sein du CNL, puisque notre convention partenariale avec le CERN se monte à peu près 600 000 euros. Donc, des interventions déjà anciennes sur le patrimoine imprimé, sur les revues, une intervention forte sur la munition rétrospective et une aide qui a évolué aussi dans le temps pour les plateformes. Dans cet objectif-là, on avait des cibles très très précises. Donc, je l'ai déjà évoqué, mais c'était effectivement les éditeurs pour numériser leurs fonds, la question de la distribution numérique avec les distributeurs pour la diffusion, et puis à partir de 2010, on a essayé d'être un établissement proactif de tous les projets un peu innovants, on a essayé d'accompagner tout ce qui pouvait concourir au développement des pratiques numériques, de la création
numérique avec l'accompagnement de porteurs de projets innovants, que ce soit des logiciels, des portails de diffusion numérique, des librairies en ligne ou des sites de valorisation de catalogues de livres numériques. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a considéré que l'accompagnement du hub PMB était primordial pour le SNL, puisqu'il situe lui aussi un carrefour entre effectivement les éditeurs et la création et la diffusion via les librairies et puis les mais on accompagnait aussi d'autres projets. L'idée là aussi c'était d'avoir un peu une approche californienne, c'est-à-dire que on a mis un peu nos œufs dans divers paniers. Comme ça on a essayé un peu de regarder dans une approche de laboratoire ce qui se passait, à charge de revanche pour les porteurs de projets, de faire en fait un retour sur l'expérience, une évaluation, et pour nous donc de modéliser. Alors tout ça, ces dispositifs, cette approche un peu pragmatique de l'univers du numérique, il est comme tous les dispositifs au sein du CNL, il est expertisé par des commissions. Donc nous avons une commission qui était dans un premier temps une commission politique numérique qui a évolué, qui s'appelle maintenant une commission économie numérique qui rassemble une dizaine donc de membres. La commission économie numérique elle est présidée par un libraire qui est donc François Meillot, qui est le président directeur général de la Procure. Sont présents dans cette commission-là donc des groupes d'éditeurs, les grands groupes de maisons d'édition, un représentant de l'édition publique, professionnels qualifiés du monde numérique, un libraire, un représentant des bibliothèques, un représentant du ministère de la Culture et de la Communication et un représentant donc de la Bibliothèque nationale de France. Donc on voit un peu ces dispositifs se mettre en place et la logique du CNL, des dispositifs donc, qui sont validés par le conseil d'administration, des commissions d'experts, donc la commission d'économie numérique, et à côté, ce champ d'expérimentation, ce laboratoire, avec des projets numériques innovants qu'on a accompagnés. Alors, le premier objectif par rapport donc, aux éditeurs, ça a été donc, de les accompagner pour numériser leur fonds, et principalement leur fonds antérieur à 2012, excusez-moi, pour la diffusion numérique. Quand on a conçu ce dispositif, on a conçu aussi à un moment où se développait fortement Gallica et Europeana, et donc on a inclus cette aide-là et l'accompagnement de cette aide-là dans l'évolution de Gallica, afin que sur Gallica, on puisse avoir accès à la fois au patrimoine imprimé, mais aux ressources qui étaient aussi numérisées grâce à l'aide du CNL. On était un peu dans une utopie à cette époque-là, 2005-2008. On verra qu'après, vous le connaissez bien, qu'il n'y aurait qu'un seul distributeur, que l'ensemble des éditeurs se retrouveraient sur une seule plateforme. Bon, vous avez connu très bien les évolutions de l'Unilog et autres, ainsi de suite. Les stratégies qui sont mises en place, on comprend aussi pourquoi, puisque la question de la diffusion pour un éditeur est relativement importante, puisque c'est là où vient de la ressource. Donc, 2005, mise en place du dispositif, expérimentation et donc valorisation de ce travail-là avec une remontée des métadonnées sur Gallica, une visibilité d'une offre numérique sous droit par les Gallica Notes, comme on les appelle, et renvoie sur des librairies, des distributeurs. L'exigence, c'est qu'il y ait une accessibilité à la librairie indépendante. C'est la raison pour laquelle les e-distributeurs qui font ce travail-là de remonter les métadonnées sur Gallica sont agréés par la Bibliothèque nationale de France et qu'on vérifie que l'ensemble de la librairie et des autres distributeurs puissent avoir accès à ces ressources-là. Alors on est resté, et ça a été l'objet de nombreuses discussions, on
on est resté dans les champs documentaires du CNL, tels qu'ils sont définis dans le décret de 93. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des champs entiers sur lesquels on n'est pas intervenu, le livre scolaire, le livre pratique, ainsi de suite. On est resté dans ce qui est l'épure du CNL, je dirais la littérature contemporaine, et puis les sciences humaines, ainsi que la littérature scientifique. À l'exception près, c'est que dans ce qu'on a accompagné au niveau de la numérisation, on a accompagné aussi toute la production romanesque, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des aides au CNL, puisqu'on n'aide pas à l'édition de romans de langue française. Alors, par une intervention forte sur les questions d'intraduction et d'extraduction, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a une exception qui a été faite s'agissant donc des œuvres romanesques. Donc, on a accompagné la numérisation de ces catalogues-là. On est resté dans des ouvrages donc de langue française, puisque c'est aussi un des objectifs des missions assignées donc au CNL dans le cadre de ses orientations sur la francophonie. Voilà un peu simplement le cadre, et puis peut-être pour le préciser et pour expliquer peut-être la différence aussi qu'il y a avec ce qu'on a mis en place après, c'est qu'on est dans le cadre en fait d'une numérisation homothétique. On n'est pas dans le cadre de livres numériques enrichis. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait dans ce domaine-là. Simplement, les dispositifs du CNL n'ont pas été heureusement gravés dans le marbre, ce qui nous a permis enfin de le faire évoluer en fonction d'évolution des formats, de ce qu'avaient besoin aussi les éditeurs. Donc entre ce qu'on faisait en 2008 et ce qu'on fait maintenant, ce qui est de l'ordre de l'assiette d'éligibilité, les choses ont évolué. Simplement, pour vous donner un ordre d'idée, c'est grosso modo une aide qui peut, pour les éditeurs, aller à hauteur de 80% des coûts de numérisation. Donc ça a un vrai effet levier. Je vous donnerai dans quelques instants les résultats pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que ça peut représenter. Sur les plateformes, c'est le dispositif qui a le plus évolué dans le temps. Dans une première période, 2008-2010, c'était un dispositif qui était centré exclusivement pour les distributeurs. C'était favoriser l'émergence et la construction des grands entrepôts des distributeurs, ici de suite, Cyberlibris, enfin d'autres distributeurs. Et puis après, on l'a fait un peu évoluer, principalement donc à la fin 2010 et depuis 2011, pour s'intéresser à tous les projets interprofessionnels avec une dimension de réseau. On avait comme seul critère donc la nécessité d'intégrer tous les acteurs de la chaîne du livre. Et on verra que dans développement de l'univers numérique, c'est pas un mot, puisqu'en fait, une chaîne du livre traditionnelle et très hiérarchisée avec le numérique a complètement éclaté, mais il nous apparaissait important, au vu des orientations du ministère, que la place à la fois des auteurs, la garantie des droits d'auteur, le vrai travail d'un éditeur, une diffusion assurée par des librairies indépendantes, c'était des critères qu'il fallait aussi reprendre en compte et peut-être faire évoluer au niveau du numérique. Donc l'idée, ça a été d'accompagner en fait tous les projets qui avaient une forte capacité à développer le marché du livre numérique. Et c'est pour cette raison, par exemple, qu'on a accompagné un des projets qui s'est développé en région Languedoc-Roussillon, avec le projet de ebook.lr, qui était donc un projet qui associait un certain nombre d'éditeurs pour la mise en place d'un logiciel de production d'EPUB 3 pour des livres animés, des bandes dessinées et des livres d'images, qui après a évolué, qui a été accompagné donc par l'agence régionale du livre, et qui est en plein essor à la fois sur le territoire national comme à l'international,
Donc chacun des acteurs, que ce soit la région, l'agence régionale et le Centre national du livre, ont accompagné ce projet-là, ce qui est un projet interprofessionnel et très structurant pour la chaîne du livre. Et on est en train de travailler avec la région de Cousins sur un projet un peu identique qui, lui, se développe plutôt dans l'univers applicatif. Le bilan général de cette action, il n'est pas négligeable. Et quand on le compare avec ce qui est disponible à l'heure actuelle sur le marché, ben, le CNL a accompagné la mobilisation d'un peu plus de 53 371 titres. Il a consacré presque 10 millions d'euros. C'est un peu plus de 200 maisons d'édition qui ont été bénéficiaires, avec à peu près 340 projets qu'on a pu accompagner. Sur les plateformes, c'est 28 projets de plateformes qui ont été accompagnés pour un peu moins d'un million d'euros. Notre intervention sur les plateformes, elle est légèrement différente de celle auprès des éditeurs. S'agissant des plateformes, on intervient donc à hauteur de 50% du coût de développement. Voilà. Et sur les projets innovants, on a accompagné un peu plus de quasiment une trentaine, mais à 38 à l'heure actuelle avec les derniers projets qu'on a accompagnés pour un peu plus de 2 millions d'euros. Alors, sur les projets innovants, c'est rien d'interdit. On a travaillé à la fois sur la création et sur la diffusion. Et la création, c'est dans ce cadre-là qu'on a accompagné des livres numériques enrichis. On est resté dans les champs documentaires du CNL. On a accompagné des livres numériques enrichis qui s'est développé dans l'univers des applications, d'autres qui s'est développé dans un univers plus connu, avec des circuits de diffusion plus traditionnels en EPUB 3. On a accompagné des plateformes de valorisation, de catalogue de livres numériques, des agendas numériques littéraires, des créations numériques contemporaines avec des sites d'éditeurs qui travaillaient sur des projets de cette nature-là. Et d'autres projets, comme vous avez pu voir tout à l'heure avec les logos, que ce soit Libra.fr, ATI, d'autres projets aussi comme ça, à charge de revanche toujours, hein, dans ce cadre-là, de faire un retour d'expérience dans une perspective d'évaluation. Et voilà, vous voyez un peu ce qu'on a pu faire dans ce cadre-là, à la fois donc des livres numériques enrichis qui ont été plutôt dans l'univers applicatif de chez Gallimard, une expérience très très riche en termes de construction d'un objet numérique avec celui d'Opéra de la Réunion des musées nationaux, et aussi la très très belle création de numérique du sol et d'accès à l'humain avec le volcan de Mathias Mathieu. Il y a d'autres projets, par exemple, avec Covid de l'homme, mais aussi, par exemple, un dispositif tout à fait atypique qui a été mis en place par Belin avec l'UTEC, qui est un espèce de catalogue numérique, un cartable numérique plutôt, qui peut aussi se décliner à l'infini sur une production documentaire. On a aussi accompagné la première mise en place d'une bibliothèque numérique dans le cadre du festival du premier roman. Vous savez qu'il y a une sélection de romans, on voit les romans les uns les autres dans une communauté de lecteurs. Et en fait, avec le festival du premier roman et l'ensemble des éditeurs qui sont aussi des partenaires du CNL, on a mis en place une plateforme fermée dans laquelle la communauté des lecteurs a pu lire les ouvrages qui étaient proposés au suffrage du festival du premier roman. Donc l'idée, c'était évaluer et modéliser. Alors, à l'heure actuelle, le CNL est confronté à des évolutions fortes. Il essaye donc d'adapter en permanence ses dispositifs afin de répondre en fait aux besoins, aux attentes des acteurs de la chaîne du livre.
ainsi qu'aux évolutions technologiques et structurelles. C'est pour cette raison-là, essentiellement, qu'on intervient sur un certain nombre de projets et qu'on peut donner l'impression à l'extérieur, comme ça, de positionner nos œufs dans tous les paniers. Mais c'est toujours cette idée que, en se situant comme ça, à un moment donné, il va émerger un modèle qui va être adopté par l'ensemble de la chaîne du monde. De par nos dialogues dans le cadre de nos relations avec nos partenaires, on essaye d'anticiper les besoins et les usages, et on essaye aussi de favoriser l'excellence, l'innovation et le savoir-faire interprofessionnel dans le respect donc, de la chaîne de valeur du livre. C'est la raison pour laquelle on s'est fortement impliqué dans le hub PMB que vous a présenté Vincent. Je pense qu'il est maintenant important, et je pense que ça va être une heureuse transition avec les propos que Henri tiendra après mon intervention, de dire qu'on est à un carrefour et que ce que je vous dis aujourd'hui, le 25 juin, sera peut-être plus valable d'ici quelques temps. D'une part, je pense que vous l'avez lu et entendu pour ceux qui ont participé donc, au dernier congrès de l'ABF, qui ont pu entendre donc, les propos de Nicolas Georges et l'intervention vidéo de la ministre. L'État considère que la diffusion numérique est une de ses priorités. Et donc a demandé à la fois donc au service de livres et lecture et à l'ensemble de ses opérateurs de se mobiliser. C'est une des deuxièmes grandes priorités de la ministre après son action forte sur la librairie. Donc c'est d'une part donc, la création d'un groupe de travail sur la diffusion du livre numérique en bibliothèque, qui va donc avoir quatre axes de réflexion. Hein. Donc le premier sur les problèmes technologiques, sur le droit, sur les usages et le financement. Donc les premières réflexions donc, porteront autour de la structure d'acheminement des livres numériques. Pour le moment, elles sont tortueuses et contraignantes en raison donc, de la multiplicité des offres et des points d'accès. Hein, on sait que prêter un e-book à l'heure actuelle se révèle souvent synonyme de casse-tête pour les bibliothèques. Et l'enquête de l'ITAP qui avait été donc, présentée au salon du livre est un des premiers points sur lesquels va construire sa réflexion le groupe de travail. Le groupe de travail planchera aussi sur l'e-book, sur les droits d'utilisation liés à son achat et sur la question effectivement du coût et de l'offre auprès des établissements. Et en fait, donc, pour accélérer ce mouvement, le ministère souhaite que le Centre national du livre octroie ses aides publiques aux éditeurs en fonction de l'offre numérique dans les bibliothèques, en attachant donc un soin particulier à l'accès au public empêché. Voilà, donc ça c'est une des orientations, et on va donc se situer donc dans cette approche-là. Le calendrier, c'est un calendrier qui est assez contraint, hein, puisque les conclusions du groupe de travail et les premières préconisations devront être présentées donc, au début 2014, mais je pense que Henri vous précisera ça dans son intervention. En même temps, hein, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que la ministre a souhaité aussi lancer une grande concertation autour du Centre national du livre, et par une lettre de mission qu'elle a envoyée au président du Centre national du livre en mars 2013, elle a proposé deux grands axes de réflexion. Alors, le premier, qui va avoir un impact très très vite sur ce que va devenir le CNL et son positionnement dans le cadre de la réforme de l'État, c'est qu'il va y avoir un chantier statutaire
qui va être menée sur le décret et la gouvernance du CNL. Vous savez que depuis 2010, le CNL a un président de plein pouvoir qui n'est plus le directeur du livre et de la lecture, que son statut d'autonomie avait été conforté par le texte de 2010. On va revoir cette question-là, la composition du conseil d'administration, la place des partenaires et la gouvernance du Centre national du livre. À côté de ce chantier statutaire, la concertation qui est opérationnelle depuis déjà quelques semaines va travailler sur le régime des aides. Cette concertation donc a pour but de remettre à plat l'ensemble des dispositifs du CNL, de la création à la diffusion, tous les dispositifs qui concernent les aides à la publication, les aides aux auteurs, les aides aux librairies, les aides aux bibliothèques, les aides aux manifestations littéraires ainsi que les aides numériques. Donc on remet tout à plat. On remet aussi à plat ce que moi j'appelle le cadre d'expertise, c'est-à-dire les commissions, comment les commissions évaluent ces projets-là, comment sont composées les commissions. Voilà, donc il y a un grand chantier qui est en œuvre, qui a donné lieu déjà à de nombreuses réunions, qui a rassemblé donc dans le cadre de groupes de travail les acteurs de la chaîne du livre. Des synthèses ont été rédigées. Elles seront présentées donc au ministère de la Culture et à la DGMIC le 11 juillet prochain. Un arbitrage sera rendu sur l'ensemble de ces dispositifs pour une mise en œuvre d'un nouveau cadre opérationnel à partir de 2014. Ce qui veut dire que on a un carrefour de meeting sur le numérique par le positionnement du CNL. Il y a aussi un carrefour, une stratégie qui est en train de se mettre en œuvre et qui devrait donc d'ici quelques mois faire évoluer les propositions d'accompagnement, les cadres d'instruction, mais qui a priori quand même continueront à confier au Centre national du livre un rôle moteur de par son intervention forte au niveau donc du numérique avec les 10 millions d'euros, mais aussi, puisque là aussi vous n'êtes pas sans l'ignorer, à côté des dispositifs du grand emprunt sur les indisponibles, la ministre a souhaité que le CNL se mobilise aussi sur cette question-là, et donc à partir de 2014, à hauteur d'un peu plus de 10 millions d'euros, le CNL, à côté de la Société de projet de la Bibliothèque nationale de France, intégrera aussi dans son champ d'intervention la question des indisponibles. Voilà à peu près le cadre, le carrefour, et je pense que l'intervention d'Henri permettra de poursuivre un peu cette réflexion sur ce temps, qui est un temps très particulier d'évolution pour les acteurs du livre numérique, et principalement pour les acteurs de la diffusion du livre numérique, que sont les bibliothèques et les libraires. Merci de votre attention.